Je vais vous donner maintenant une autre piste de compréhension du système. Je vais vous parler du mercure. Le mercure a été massivement utilisé dans l'histoire et notamment dans l'industrie au XIXe siècle. Jusqu'à la fin du XXe siècle, le mercure était un métal d'usage très courant. On le trouvait encore récemment dans nos thermomètres, dans les amalgames dentaires et dans les piles. Pourtant aujourd'hui, le mercure fait peur. Il nous est présenté depuis les années 60 comme le pire de tous les poisons. Il a suffi d'une seule affaire pour arriver à ce résultat, un scandale industriel au retentissement international, le scandale Minamata. Minamata est une commune du Japon dans laquelle la compagnie Chiso avait implanté une usine pétrochimique en 1907. Durant des décennies, cette usine a été un fleuron de l'industrie japonaise et un modèle de réussite, jusqu'en 1949. Des milliers d'habitants ont alors commencé à présenter des symptômes liés au système nerveux, et notamment une perte de motricité. Les gens tombaient malades, et les chats, subitement devenus fous, se jetaient dans la mer pour s'y noyer. On compta près de 900 décès de 1949 à 1965. Des mères, ne présentant aucun symptôme, ont donné naissance à des enfants gravement atteints, malformations congénitales plus ou moins lourdes, handicaps divers ou multiples, enfants morts-nés. En 1959, le docteur Osokawa, employé de la firme Chiso, acquit la certitude, à la suite d'expériences qu'il mena sur plusieurs centaines de chats, que les phénomènes observés étaient liés à la pollution par le mercure. L'enquête révéla la responsabilité de l'usine qui avait rejeté dans la baie 400 tonnes de mercure. Je vous raconte tout ça parce qu'il me semble que beaucoup de choses ne tiennent pas dans cette histoire. Par exemple, pourquoi les gens ne sont-ils pas tombés malades plus tôt, alors que les rejets massifs ont commencé dès les années 30? Pourquoi la catastrophe a-t-elle lieu si massivement à Minata et pas ailleurs, alors que tous les pays industrialisés se débarrassaient de leurs déchets de la même façon? N'oubliez pas qu'on est tout de suite après la guerre. Le Japon a été vaincu. La vie des vaincus ne valait pas grand-chose. Tout à coup, il y a beaucoup de morts. De quoi provoquer une panique générale, une ambiance apocalyptique dans la ville, ce qui est propice à provoquer un traumatisme mondial. De fait, ce scandale va signer l'arrêt de mort du mercure. Progressivement dénoncé par les grandes ONG de défense de l'environnement, le mercure est soudain devenu l'un des plus grands fléaux de l'humanité, l'ennemi public numéro un de tous les métaux lourds. On le soupçonne d'être une des causes de la maladie d'Alzheimer, de la fibromyalgie et de bien d'autres maladies chroniques. Depuis 1999, le mercure est interdit en France. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'affaire de Minamata est vraiment un cas unique au monde. Le nom de cette ville japonaise est au mercure ce que Tchernobyl est à l'uranium. Lorsqu'on se documente sur le mercure, il n'est plus question aujourd'hui que de toxicité, d'intoxication, de pollution et de législation toujours plus contraignante pour l'interdire partout dans le monde. C'est assez impressionnant. Le 19 janvier 2013, après une semaine de négociations, 140 États vont enfin adopter à Genève la convention de Minamata qui vise la réduction des émissions de mercure au niveau mondial. Ainsi, on peut dire que le mercure fait l'unanimité contre lui. On aurait voulu nous priver d'un élément précieux, riche de potentiel insoupçonné, qu'on n'aurait pas agi autrement. Et si... J'ai l'impression qu'on nous a fait passer le mercure pour un poison mortel, comme on vient de tenter de le faire avec l'hydroxychloroquine. Vous savez, dans l'Antiquité, les philosophes gréco-romains ont associé les sept métaux aux divinités et aux astres, l'or au soleil, l'argent à la lune, le cuivre à Vénus, le fer à Mars
etc. Et ils ont attribué ce métal extravagant, mi-liquide, mi-solide, au dieu Mercure, Hermès, un dieu messager porté par des ailes et dont l'un des attributs, le caducée, est le symbole traditionnel de la médecine en Amérique. Il se trouve que le mercure est très présent dans le domaine médical. Le premier empereur de Chine absorbait quotidiennement du mercure, considérant cette substance aux propriétés si particulières comme une sorte d'élixir de jouvence. Dans les vieux manuels de pharmacie, on apprend qu'il était utilisé sous forme de pilules, les pilules de Belost, les dragées de Kaiser, sous forme de pommade, pommade mercurielle, ou en gants à friction, l'onguent mercuriel était très efficace contre la gale. On se souvient tous du mercurochrome, cet antiseptique qui contenait du mercure et qui est désormais interdit en France. Le mercure a aussi été utilisé dans le traitement de la syphilis. Le mercure est également utilisé en homéopathie. Curieusement, deux usages du mercure ont échappé à la convention Minamata. Les amalgames dentaires, qui sont composés d'environ 50% de mercure, et les vaccins. En effet, depuis 1930, le mercure est présent dans certains vaccins sous le principe actif thiomersal. Cette révélation a d'ailleurs soulevé un tollé d'indignation des mouvements anti-vaccins qui ont dénoncé cette présence comme étant la preuve d'une volonté d'empoisonnement de la part des laboratoires. Je pense exactement le contraire. Je me dis que le mercure a bon dos pour cacher tout le reste. Et je me demande même au fond si le mercure, en tant qu'antibactérien et fongicide, n'est pas finalement le seul principe actif contenu dans ces vaccins. Les usages qu'on en a fait au cours des siècles me font penser à une sorte de remède universel capable de concurrencer bien des médicaments sur le marché, une bonne raison de l'interdire. J'ai appris, grâce aux rencontres fortuites de mon adolescence, que penser le contraire de ce qu'on nous a appris est souvent le meilleur moyen d'entrevoir la vérité. Selon moi, tout est toujours affaire de dosage. Le mercure pur à 99%, je ne parle pas ici du mercure rejeté par l'industrie chimique, le mercure pur, lorsqu'il est bien dosé, peut avoir des vertus insoupçonnées. Ce pestiféré de la science me fait penser aux anciennes semences désormais interdites, à certaines plantes médicinales qui ont connu le même sort et à un tas d'autres choses qui relevaient des bonnes vieilles recettes de grand-mère et qui ne nous sont plus accessibles. Comme si nos élites faisaient à chaque fois le choix de favoriser ce qui est mauvais et cher pour l'humanité et d'interdire ce qui est bon et économique. Bref, je me suis longtemps demandé où était l'embrouille avec le mercure, jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo. Le mercure, pourrait-il ne pas être finalement le poison qu'on prétend? Alors, je ne vous conseille évidemment pas de boire du mercure, pas plus que de vous baigner dans les piscines atomiques. Je me contente une fois de plus de poser des questions. Quoi qu'il en soit, le secteur de la santé n'est pas le seul domaine
qui intéresse le mercure. D'autres propriétés du mercure pourraient justifier sa mise au placard. On apprend en effet sur Wikipédia que les qualités du mercure pour la chimie nucléaire et les instruments de mesure en font paradoxalement l'une des 8 matières premières stratégiques considérées comme indispensables en temps de guerre comme en temps de paix. Intéressant. En outre, le mercure est utilisé dans les systèmes rotatifs des lentilles de phare, permettant l'absence de frottement et la grande régularité du mouvement de rotation de ces systèmes sur leur socle, tout en permettant l'alimentation électrique. On se souvient que les Vimana, ces curieux engins volants de l'Inde, fonctionnaient au mercure. Les nazis ont également fait beaucoup d'expériences avec le mercure pendant la guerre. De fait, l'effet gyroscopique du mercure associé à des aimants peut ouvrir des champs d'application remarquables jusque-là inexplorés. L'antigravité est l'un d'eux, voyez plutôt. Can you lift it out? Make it horizontal, hold it, hold it, hold it. Come on, just try to... Okay. I want you to hold it out horizontal. See if you can. Hold it, hold it. Oh, come on. What I'm going to do is I'm going to spin this up to a few thousand RPM, and then I'm going to attempt just that, to hold it from one end and... 5, 4, 3, 2, 1, boom! I'm gonna let go of my left hand. What you'll see is that the shaft remains horizontal. You can see it going around there. It almost looks as though the wheel is weightless. How does this work? Well, instead of pulling the wheel down to the ground as you'd expect, the weight of the wheel creates a torque which pushes it around in a circle. I'm going to try to lift it over my head with one hand while it's spinning. Wish me luck. Undaunted by my lack of strength, I'm going for it. But I want to make sure that the wheel is spinning as fast as possible to give me the best chance of success. Give it 10 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! That was perfect. Now I'm going to release my left hand and holding only with my right hand at the end of the shaft. I'll try to lift it up over my head. This is a 40-pound, 19-kilogram flywheel. Ready? Here we go. 3, 2, 1. Beautiful. Let's go again. In 3, 2, 1. Yeah. You know, when you're lifting, it feels light. Yeah. It shouldn't. I know. Honestly, I have lifted it up with one hand when it's not spinning. Yeah. And it feels really hard to lift it up, like it's a big effort. Yeah. But with this, when it's spinning, it honestly felt like it was just... wanting to go up by itself. Yes. In this mesmerizing physics demonstration, we are able to see the electromagnetic force in motion. At the base, there's a large ferrite ring magnet. An aluminium anodized copper bowl is connected with a wire to a direct current pole. At the center of the bowl, a brass bolt and a smaller conductive cup are electrically insulated from the container and wired to another pole of direct current. 1 kilo of mercury is poured into the container and the circuit is introduced to a 2-volt direct current. This generates a strong magnetic field that supports the system. With these favorable conditions, the electrically conductive mercury starts to rotate as the current runs through it. The operating voltage is 2 volt DC, controlled by a DC inverter. The rotation speed of mercury depends on the voltage being given. Marvelous. Après la Seconde Guerre mondiale, les gardiens du troupeau ont-ils découvert un usage du mercure que nous devons absolument ignorer ?
Ce métal entre deux mondes n'est-il pas une des clés de notre liberté en matière de déplacement et d'énergie, raison pour laquelle on nous l'aurait interdit ? Hermès, Mercure, est représenté avec des ailes à ses pieds. Il était le messager des dieux du fait de sa faculté de se déplacer partout, très rapidement, d'un monde à l'autre. De même, son caducée est surplombé de deux ailes déployées. Y a-t-il un message codé derrière tout cela ? Allez, je m'arrête avec le Mercure. Mon but avec cet exemple était juste de bien vous faire comprendre comment marche le monde. Notre esclavage vient du fait que nous sommes trop prompts à nous jeter sur les eaux à ronger qu'on nous tend, notamment sur des questions politiques et sociétales, alors que nous ne remettons jamais en question les sujets qui pourtant pourraient avoir une réelle incidence sur notre condition. Souhaitons-nous continuer de vivre en esclave ou en homme libre ? À cet égard, l'énergie est un sujet fondamental et tous ceux qui vous diront, comme à des enfants, que c'est trop compliqué, que ça ne marche pas ou que c'est dangereux, sont soit des imbéciles, soit des complices. Ok, ça fait déjà beaucoup d'informations tout ça. Et pourtant, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent n'est rien par rapport à ce qui va suivre. Mais avant ça, il faut que je vous raconte une dernière petite histoire.